Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde a passé une bonne Saint-Jean et une joyeuse fête nationale hier. Pour beaucoup de Québécois et de francophones, la Saint-Jean marque le début de l'été. Les cours sont terminés, les diplômes ont été remis et les jobs d'été commencent. Mais cette année, c'est évidemment un peu différent à cause de la COVID. La réalité, c'est qu'il n'y a pas autant d'emplois pour les étudiants que l'année passée. Et sans emploi, c'est difficile de payer les frais de scolarité ou les dépenses quotidiennes. On avait donc annoncé en avril un plan de 9 milliards de dollars pour venir en aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés. Ça inclut la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, qui leur donne au moins 1 250 $ par mois jusqu'en août. On s'est aussi engagé à créer 76 000 emplois pour les jeunes dans les secteurs qui ont besoin d'un coup de main en ce moment et à instaurer un programme qui accorderait des bourses à ceux qui s'impliquent dans leur communauté. Et aujourd'hui, on donne suite à nos engagements. On lance la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, qui va permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience tout en contribuant à leur communauté. Si tu es étudiant au cégep ou à l'université, ou encore si tu viens d'obtenir ton diplôme et que tu décides de faire du bénévolat cet été, tu pourras recevoir une bourse de 1 000 à 5 000 $. Le montant exact sera déterminé en fonction du nombre d'heures que tu as fait entre le 18 juin et le 15 septembre. Pour en apprendre plus sur le programme et pour trouver des opportunités dans ta région, va sur le site du gouvernement. Aujourd'hui, on lance le portail « Je veux aider », justement pour ça. Dans le cadre de notre plan pour aider les étudiants, notre gouvernement va aussi investir 40 millions de dollars pour créer 5 000 stages MyTax pour les étudiants de niveau postsecondaire. MyTax est un organisme à but non lucratif qui favorise la collaboration entre les universités et le secteur privé. Ils aident à former la prochaine génération de chercheurs en mettant sur pied des projets innovateurs. Habituellement, les programmes MyTax sont destinés aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui font de la recherche. Le financement qu'on apporte aujourd'hui va leur permettre d'étendre la portée de leur programme de façon à inclure les étudiants du premier cycle et des programmes comme la médecine, le droit ou le MBA. Par exemple, l'un de leurs nouveaux programmes va mettre des étudiants au MBA en contact avec des petites entreprises qui font face à des défis particuliers à cause de la COVID-19. MyTax pourra aussi nouer de nouveaux partenariats avec des organismes comme des hôpitaux, des fondations et des gouvernements municipaux pour créer encore plus d'options pour les jeunes. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les étudiants qui vont pouvoir mettre leurs connaissances à profit, mais aussi pour les propriétaires d'entreprises et l'avenir de notre pays. L'innovation prend une place de plus en plus centrale au sein de l'économie mondiale. Pour assurer la vigueur et la résilience de l'économie canadienne, on doit investir dans la recherche et surtout dans la relève. On doit faire en sorte que les jeunes possèdent les bons outils pour travailler, innover et réussir dans l'économie de demain. Et c'est donc pourquoi notre gouvernement va investir dans Emploi Été Canada pour ajouter 10 000 placements en milieu de travail pour les étudiants âgés entre 15 et 30 ans. On va aussi soutenir la création de 20 000 autres placements pour les étudiants du cégep et de l'université dans des secteurs en forte demande par l'entremise du programme de stage pratique pour les étudiants. Et pour faire en sorte que les jeunes soient bien préparés pour les emplois de l'avenir, on investit dans le programme de compétences numériques pour les jeunes et ordinateurs pour les écoles et plus. Students are facing unique challenges this summer due to the pandemic. At the same time, many are wondering how they can help in the fight against COVID-19. So today, we're launching the new Canada Student Service Grant, which will allow post-secondary students and recent grads to gain valuable experience while also contributing to their communities. If you're a college or university student, or if you just graduated and you decide to volunteer this summer, you could get a grant of between $1,000 and $5,000. The exact amount will depend on how many hours you've completed.
To learn more about this program and find opportunities near you, you can head to the Government of Canada website, where today we launched the new I Want to Help portal. Our government will also invest $40 million to create 5,000 MyTax internships for post-secondary students as part of our $9 billion plan to help students during this crisis. MyTax is an NGO that builds partnerships between universities and industry. With their training programs, internships, and projects, they help shape the next generation of innovators. Usually, MyTax caters to master's or PhD research students, but with the funding we're announcing today, they'll expand their internship opportunities to undergraduate students and students in professional programs like law, medicine, or business. For example, one of their new programs will connect MBA students to small businesses that are facing challenges because of the pandemic. The funding will also allow MyTax to partner with more organizations like hospitals, foundations, and municipal governments to create even more opportunities for young people. If we want to build a strong and resilient economy, we have to invest in the next generation. We have to make sure our young people have the right tools to work, innovate, and succeed in the economy of the future. In this vein, our government will invest in Canada Summer Jobs to create 10,000 new job placements for young people aged between 15 and 30. We will also support an additional 20,000 job placements for post-secondary students in high-demand sectors through the Student Work Placement Program. And to make sure young people are prepared for the jobs of tomorrow, we're investing in the Digital Skills for Youth and the Computer for Schools Plus programs. Minister Baines will have more to say on this later, but here's the bottom line. There are fewer jobs and many co-op, internship, and community service placements because of the pandemic. So if you're a student and new grad, we're creating tens of thousands of jobs for you. We're making sure that you can still learn new skills, gain valuable work experience, make money for the year ahead, and contribute to your community. Au fil des ans, le Canada s'est affirmé comme un leader mondial de l'innovation. Nos chercheurs et scientifiques sont reconnus à travers le monde pour leurs avancées, que ce soit dans le domaine de l'aérospatial, de l'intelligence artificielle, des technologies propres ou de la santé. Et, depuis le début de la crise, on a pu compter sur eux pour nous aider à protéger la santé des gens. C'est donc pourquoi, en avril, on avait lancé un concours pour financer des travaux de recherche pour freiner la propagation du virus et atténuer ses conséquences dans nos communautés. Aujourd'hui, on peut annoncer qu'on va appuyer 139 équipes de recherche à travers le pays. Ça représente un investissement total de près de 110 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19 pour les années à venir. Over the past few weeks, we've seen our hard work and sacrifices start to pay off. And to continue on the right track, we need to be thinking not just about the next weeks, but about the next months and even years. And that's what we're doing with today's investments.